C'est le nouveau lieu de vie des supporters. C'est un lieu de rencontre, un lieu de partage, de convivialité. Avant chaque match et après match, on essaie de faire quelques animations. On estimait que c'était important de redynamiser un peu les abords du stade, que ce soit aussi pour limiter un peu l'afflux de voitures, les embouteillages, que ce soit agréable et que ça puisse profiter à tout le monde, à la grande famille arcéiste. Cette idée, ça fait déjà un petit moment que ça nous trottait. Ensuite, on a eu l'accord du club pour faire une fan zone. Le club il recherchait également à redynamiser ses abords du stade et c'est tout intéressant pour eux que pour nous, les supporters. Comme vous voyez, c'est convivial, tout le monde prend du plaisir. Il y a des discussions, il y a les débriefs d'avant-match et après d'après-match. Quelles sont les conditions du club? Il vous prête le terrain? Comment ça fonctionne? Voilà, le club met à disposition le terrain. Il fallait qu'on fasse quelque chose de beau. C'est plutôt pas mal, c'est réussi. Et par contre, il faut que voilà, tout se passe pour le mieux, bien entendu. C'est le coin des supporters de la CA, mais est-ce que les supporters des autres clubs sont les bienvenus? Tout le monde est le bienvenu, du moment que c'est des clubs avec qui, dans les archives, il y a plutôt de bons rapports, pourquoi pas.